Jodi a nou pral pale d'un sujet ki ekstremement important. E sujet sa li konserne surtout chauffeur kap kondwi gwo kamyon yo. E sa kap kondwi gwo kamyon an dan vil yo. E sa kap kondwi gwo kamyon sou route nasyonal yo. E sujet sa, se yon sujet ke nou prepare. E nan lide, non solman pote ou ansam de klasisman avec un ensemble de chauffeurs qui comprennent que les y a conduit gros camion c'est toujours une priorité et deuxième phase qui gagne dans ce sujet ça c'est faire mon comprendre que la loi qui c'est décret loi 26 mai 2006 là les mêmes qui régit circulation sur voie publique là dans article 140 li définit comment yon machine gagne priorité son l'autre machine de voie publique là et tout dans article 77 et jusqu'à article 91 li tout défini qui nomme qui gagne les voies circuler sur voie publique dans article 77 là il est clair que circulation au pays d'Haïti c'est une circulation qui fait à droite et nous ka remarquer volant yo toujours à gauche. Maintenant, tout le monde qui a circulé sur voie publique là, il est supposé toujours garder et voie droite là. Au contraire, nous avons remarqué qu'il y a un pile chauffeur, surtout chauffeur qui a conduit gros camion, il a toujours pris plaisir circuler machine yo dans le temps la rue. Et les a circulé dans le temps la rue comme ça, souvent yo kon dérefuser bay yon lot chauffeur qui voulait faire un dépassement passé dans l'esprit pa yo le fait que camion gros nèg donc c'est yo qui toujours gain priorité. Eh bien et m'a fait intéresser ça on connaît que c'est pas grosseur machine nan qui définit l'aile gain priorité ou l'aile pas gain priorité. Mais c'est plutôt la loi dans l'article 140 décret loi 26 mai 2006 là qui dit comment yon machine gagne priorité sur voie publique là et nous ka remarqué gagne un pile accident qui rivé sur voie publique là c'est effectivement parce que gagne mauvais comportement yon ensemble de chauffeurs qui pas respecté comment yo doit circuler sur voie publique là. Donc, il est clair que et dans moment ça yo pral gagner un pile monde qui pral besoin déplacer quitter une ville pour aller dans l'autre ville. Donc nous lancer appel by tout chauffeur qui compte gagner comportement ça yo à savoir le fait qu'il a conduit un trailer. Le fait qu'il a conduit un gros camion, le fait qu'il a conduit une machine qui gagne plus gabarit que l'autre, donc il faut penser dans l'esprit, il a gain priorité. C'est comme si nous t'a dit, nous arrivons dans une phase côté chauffeur pays, a comporté yo tant qu'il y a une jungle côté plus gros à manger plus petit. Pour nous expliquer ça, nous le disons, c'est parce que des fois, chauffeur camion, comprendre li gen priorité sous chauffeur cap conduit ti bus lan chauffeur ti bus lan konnen kon gen priorité sous chauffeur cap conduit ti voiture lan et chauffeur ti voiture lan li même li kon comprendre li gen priorité sous moun cap conduit motocyclette là nan ka sa nous toujours remarqué gen en pile moun ki victime de abus l'autre chauffeur fait yo par rapport à comportement yo sur voie publique là. Donc li extrêmement important pour nous connaître que voie publique là c'est pour tout le monde lié. Donc tout le monde doit utiliser de manière à ce que pour personne pas faire personne abus pour personne pas nuire personne sur voie publique là. Nous comptons trop accidents déjà par rapport à comportement chauffeur yo. C'est ça que fait direction circulation toujours prend le soin pour rappeler chauffeur
ou bien pour le permettre de faire découvrir ou bien redécouvrir un ensemble de notions qui dans le code de la route là, qui pourra le permettre une bonne harmonisation entre tout chauffeur sur voie publique là. Et que moun qui t'a présenté l'émission ça, c'est l'UDS Polyus. Donc dans la prochaine émission, n'a pas gagné pour nous débattre un autre sujet. Merci. Je dis à nous parler d'un sujet qui est extrêmement important. Et sujet ça, il concerne surtout chauffeur qui a conduit gros camion yo. Et ça a conduit gros camion en dans ville yo. Et ça a conduit gros camion sur route nationale. Et sujet ça, c'est un sujet que nous préparer et dans l'idée non seulement porter un ensemble d'éclaircissement avec un ensemble de chauffeurs qui comprendre que les y a conduit gros camion c'est toujours une priorité. Et deuxième phase qui gagne dans ce sujet ça, c'est faire moun yo comprendre que la loi qui c'est décret loi 26 mai 2006 là, les mêmes qui régit circulation sur voie publique là, dans article 140 li définit comment yon machine gagne priorité son l'autre machine de voie publique. Et tout dans l'article 77 et jusqu'à l'article 91, li tout défini qui nomme qui gagne les wap circuler sur voie publique. Dans l'article 77, il est clair que circulation pays d'Haïti, c'est une circulation qui fait à droite et nous avons remarqué volant yo toujours à gauche. Maintenant, tout le monde qui a circulé sur voie publique là, il est supposé toujours garder et voie droite là. Au contraire, nous avons remarqué qu'il y a un pile chauffeur, surtout chauffeur qui a conduit gros camion, il a toujours prend plaisir de circuler machine yo dans mitan la rue. Et les a circulé dans mitan la rue comme ça, souvent yo kon dérefuser bay yon lot chauffeur qui voulait faire un dépassement passé dans l'esprit pa yo le fait que camion gros nèg donc c'est yo qui toujours gain priorité. Eh bien et m'a fait intéresser ça connait que c'est pas grosseur machine nan qui définit l'el gain priorité ou l'el pa gain priorité mais c'est plutôt la loi dans l'article 140 décret loi 26 mai 2006 là qui dit comment une machine gagne priorité sur voie publique là. Et nous ka remarqué gagne un pile accident qui rivé sur voie publique là c'est effectivement parce que gagne mauvais comportement yon ensemble de chauffeurs qui pas respecté comment yo doit circuler sur voie publique là. Donc, il est clair que et dans moment ça yo pral gagner en pile monde qui pral besoin déplacer quitter une ville pour aller dans l'autre ville. Donc nous lancer appel à tout chauffeur qui kon gagner comportement ça yo à savoir le fait que y a conduit un trailer. Le fait qu'il a conduit un gros camion, le fait qu'il a conduit une machine qui gagne plus gabarit qu'un autre, donc il a pensé dans l'esprit, il a une priorité. C'est comme si nous t'a dit, nous arrivons dans une phase côté chauffeur pays, il a comporté tant qu'il a une jungle côté plus gros à manger plus petit. Pour nous expliquer ça, nous le disons, c'est parce que des fois, chauffeur camion, comprendre li gagne priorité sous chauffeur cap conduit ti bus là chauffeur ti bus là connaît kon gagne priorité sous chauffeur cap conduit ti voiture là et chauffeur ti voiture là lui-même li kon comprendre li gagne priorité sous monde cap conduit motocyclette là dans cas ça nous toujours remarqué gagne en pile monde qui victime de abus l'autre chauffeur fait yo par rapport à comportement yo sur voie publique. Donc li extrêmement important pour nous connaître que voie publique là c'est pour tout le monde lié.
Donc, tout le monde doit utiliser de manière à ce que pour personne pas faire personne abus, pour personne pas nuire personne sur voie publique. Nous comptons trois accidents déjà par rapport à comportement chauffeur. C'est ça que fait direction circulation. Toujours prend le soin pour rappeler chauffeur ou bien pour le permettre chauffeur découvrir ou bien redécouvrir un ensemble de notions qui dans le code de la route là, qui pourra le permettre une bonne harmonisation entre tout chauffeur sur voie publique là. Et que moun qui t'a présenté l'émission ça, c'est l'UDS Polius. Donc dans la prochaine émission, n'a pas gagné pour nous débattre un autre sujet. Merci.